Salut à tous. On va faire une petite pause dans le Road to Madrid. J'ai vu notamment sur le Discord qu'il y en a qui ont acheté le ticket à 15 euros là pour les 50 centimes. Et vu que bah, les Unimax Series ça approche, c'est bientôt. Bah, je me suis dit que on allait retenter un shot pour essayer de choper ce petit ticket. Hein. On va faire des nitros à 50 centimes. On va lancer 4 par 4. Je rappelle en nitro parce que le but. Évidemment, c'est pas de gagner de l'argent, sinon on le fera en classique, mais bon, là c'est 50 centimes. Le but c'est juste d'essayer de trouver le ticket. Donc, on les fait 4 par 4 en nitro, on essaye d'en voir le maximum. Il y a une chance sur 110, je crois, un truc comme ça, ou un peu plus, peut-être même de trouver le ticket à 15 euros. Hors vidéo, j'en ai fait une cinquantaine. Juste avant. Enfin, juste avant hier, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, paire de ronds, on va mettre à 3. Rien le trouver quand même, ce petit ticket. On va check. On va min-raise. On va c-bet. Fold. Fold. Ok, bon bah là on y est. Hein. S'il est mieux, il est mieux. Il a Dame 5, c'est nul. Paire de 2. Ok, on va fold sur un push quand même. Est-ce qu'on se permet de call? Allez. Roi 8 off, on va limper. On va check. Il a check, je pense qu'on va bet tout de suite en protection tranquillement. Comme on l'aurait fait avec deux cœurs. Et call. Cette carte est bien. Voilà, check. Allez, on gagne au showdown. Là, fold. Là, il lead d'une blinde sur roi 9-8. Backdoor quinte, backdoor flush. Je pense qu'on peut call une fois. Push là, fold. Elle va limper. Bon, fold évidemment. Paye dame 3, pourquoi pas. As 4, je lui push. Dame 5 off sur un min-raise, on va fold. As dame off, on ira. Faut que je me concentre là, je suis un peu perdu sur mes tables. Allez, va 5 off, c'est un fold. Il me paye 9 et 10. Et il chatte pas, on fait carré d'as, c'est mieux. D4, c'est un fold. Paire de dames, on va pas le slow play. On va marquer, c'est lui qui m'a min-raise juste avant, je crois. Bah, allez, on va tenter. Il va tenter de le prendre pour un jambon. On a 8 blindes, ça peut se faire. Ok, on va en push. Hein. Pas s'embêter. Parce que toutes les cartes vont casser l'action en fait. Toutes les cartes au-dessus du 7, s'il a un 7, ça va lui casser son action. Donc, autant qu'il nous donne tout tout de suite. On push à 9, il paye dame 3. Et ça chatte, ok. C'était 5 off, on va fold. Là, jamais il paye quand il tombe comme ça. À mon avis, à moins qu'il joue 15 tables en même temps, mais bon, d'accord, il préfère payer avec 6 et 3 finalement. J'ai pas compris le principe, mais bon. On va check call. Roi 10, il paye, roi dame. Et on chatte. On va payer évidemment. Dame 4 rois, je vais pas m'amuser à limper. Allez, on va check. Il y a encore des draws, mais bon. Une blinde en objet de call. On est en train de se faire milk tranquillement là. Tranquillement nous montrer sa dame en dernière carte. La 7 off, je push. Hein. Je m'embête pas à min-raise en nitro. Tous les as au-dessus d'A5 off. Enfin, entre A5 et A9 off. Là, je m'embête pas à les limp en nitro, à les min-raise en nitro, parce que je m'attends trop à me faire 3 bêtes chauves et ça fait une situation relou. Donc autant tout mettre directement, même au flop, c'est injouable quoi. Donc voilà. Paire de ronds, c'est bête. Je sais, c'est peut-être un peu cher, mais pff. Tant pis. Hein. Roi-dame, il me paye 4 et 9 et il gagne pas. Là je vais push tranquillement. Donc là j'ai ses bêtes, il m'a call, je vais check. Je veux bien une brique.
toute façon, on colle tout la river. Hein. On colle tout. 10 et 3. Ah non, c'est un fold. Paye 10 et 3, lui. Ambitieux. Là, roi 4, de toute façon, on y est, hein, c'est sûr. On peut minerai, peut faire tout ce qu'il veut. On n'a pas le choix. Allez, un peu de... d'accord, il mine race fall 4 blind deep, lui. C'est un génie. Là, on joue un roi, un valet, une dame. Mais le problème, c'est qu'on est même pas sûr qu'un valet ou un roi soit déjà bon. Donc, je pense qu'on peut fold. Bon, bah, on clique clairement. Qui s'amuse à mine race fold à 3 blind deep, on va chauve. Hein. Ouah, 3 et 7 suités. Un peu ambitieux le minerais 3 et 7 suité. Je sais pas trop ce qu'il essaye de faire, mais ok. Là, je vais plutôt check et laisser bête un tirage. On va mettre une blinde. Pour value notre roi. Parce qu'il avait clairement rien. Roi 8, oh, j'ai pas le slow play. Enfin, j'ai pas le limpé, c'est un push, un hein, roi 8, roi 9 et roi 6. Roi 6 contre A6, et c'est bon, on chatte pas mal aujourd'hui, c'est cool. As de suité, tous les As, deep and deep, c'est un push. Il fold, ok. Est-ce que je m'amuse à flat, 3 valets suité, 14 blind deep. Je pense que chauve est bien, et just call est bien. C'est à peu près les, une des seules mains avec lesquelles je vais le faire. Donc, bon bah. Je pense qu'on y est en vrai. Hein. Si lui fold, je pense qu'on est obligé d'y aller. Ouais, allez. 8 et 5, il a 2 blindes, on y est. Ah, check. Normalement, personne n'a d'as. On va tenter la petite blinde. Vu que personne n'a d'as, mais je vais pas m'amuser à en mettre plus. Voilà, il aura jamais lâché un 5. As 9 suité, c'est un push, 10-5 off, c'est un fold. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit ticket s'il vous plaît? On est là pour ça quand même à la base. Dame 5 off, c'est un push. Dame 3 off, on va check. Là on va check, hein, on n'a pas l'avantage dans ce coup. On n'a pas le lead. Je pense que ça sert à rien de bête. On va juste checker, espérer voir notre une belle river. Allez, un carreau, une dame, c'est pas mal, ça peut suffire. Là, je vais check. As 3 contre Valet 9, ça gagne, c'est cool. Allez, je suis pas très deep, je vais fold. Hein. Là, je vais push. Donc, lui, il a value une blinde à la turn, sa top pair. Ça va. Il prend pas trop de risques sur ses values, lui. Donc l'une 3 bêtes 28 blindes avec 6 et 6, pourquoi pas. Enfin c'est standard je veux dire, de toute façon avec 6 et 6 c'est un chauve, c'est un 3 bêtes chauve, donc c'est pas mal joué. Hein. Ensuite, roi dame off, on va. Oula mince pardon, il avait limpé, j'avais pas vu ça. J'aurais dû mettre plus cher. T4 off, c'est un fold. On va check hein. C'est un call. Roi dame off, on va check. Bah ici on va raise. Hein. Relou là. Hein. Mais dame 7 suité, je suis censé push, call un push de 10 blindes, donc on y va. Hein. Ouais, on a quand même 40%, vous voyez, donc ce n'est pas si mal que ça, on perd, mais... Cette suité, ouais, c'est une main, il me fait tapis 10 blindes, je suis censé payer en blinde contre blinde, donc quand il a 5 blindes et qu'il min raise, on va dire que c'est comme s'il faisait tapis, quoi, évidemment il monte de la force, mais... Mais il y en a aussi qui font ça avec air total, et sans info, bah, sans info, go broke, ça m'a pas l'air affreux. Paire de dons, on pousse directement.
9 et 6 off, on va fold. Dame 6 off, c'est un call jusqu'à 7 blindes. On a 5, on est large. Fold. Fold. On va push. T9 off, on va fold. Roi E7, c'est un push. AC9, on est parti. Bon, open 4x, on y va. Allez, 5 suite, on y va. Tombe 9 et 10, et il fait le 9 et le 10. Donc, lui, il a open 4x fold au bouton. C'est pas mal du tout. Original, on va dire. En fait, j'avais pas remarqué, mais on a plus les cadeaux de Noël. C'est fini les cadeaux de Noël. Bon. Ça, c'est une bonne main à limp call. Là, on va fold. On va check. On va just call, hein. Envie de le faire partir. Et ma pote est derrière, il check. Qu'est-ce qu'il y a comme draw là? 4 et 6, il n'y en a pas une tonne. Hein. Mais surtout des bluffs, on va checker pour laisser bluff river, je pense que c'est le mieux. En mettant... J'ai vraiment le sentiment qu'il a pote avec R flop. Ouais, c'est bien ça, il a pote avec R. Bizarre tout ça.9 et 6 8, ouais, c'est un call. Hein. C'est un call. Évidemment, on n'est jamais devant, mais on a toujours des bonnes cotes. Genre, on a toujours un petit 40%. Et vu l'argent qu'il y a dans le pot déjà et l'argent qu'on a à mettre, et ben on y est. As-9 suite, on va call. Paire de 5, hop, mon fold, roi et 8, on y va, paire de 5 fait gagner, allez, hein, on continue notre route, allez, le ticket là, s'il vous plaît, toujours pas, c'est une chance sur 100. Alors à fold. Min raise là. Et l'overbet. Bizarre, bizarre. Après, dame 8 off, c'est un call. Hein. Allez. On a 44%. C'était un call. Donc pas de regret. Bon, bon encore moins qu'on a gagné. Directement ici, 13 blindes. Faut pas se prendre la tête. Je vais pas m'amuser à limper des mains comme ça. As-2, 17, enfin 14,5 blindes effectives. Je vais fold. Je fais iso. Et le roi river
Qu'est-ce qu'il fait, lui? Check, il met une blinde sur le 8 et il chauffe sur un roi. Bah, le truc, c'est que s'il avait double paire du style valet 8, ça split. Enfin, on a une double paire au-dessus maintenant. Merde, j'ai pas eu le temps. Ouais, c'était bizarre. Je pense que je call quand même parce que le roi est une bonne carte, mais c'est bizarre quoi. Il avait un 6 ou rien, donc ouais, j'aurais call. J'aurais call si j'avais eu du temps, je pense. Et 10 on va push. Fold tranquillement là. On a fait pas mal là, l'air de rien, ça tourne, hein? 16. 16 tournois, ouais. Non, pourquoi je fold moi? J'avais pas vu qu'il a fait 2 plaintes. Aïe aïe aïe. Erreur de concentration qui va pas me coûter cher si je perds ce coup là contre lui. C'est bon, les carreaux il les joue pas. Ah, j'ai fait pour l'homme 9, j'avais pas vu. Non, mais sérieux, lui, il a le truc 4 blindes, il min raise. D'accord, j'ai plus de temps de toute façon. Fait 3, c'est 2 blindes ennemies, donc on n'y est pas. Valet 7 off, c'est un push. On va check. Voilà, évidemment, c'est parti. Je pense que je peux check encore. On met une blinde, on va call. Hein. Voilà, on laisse faire n'importe quoi. C'est très bien. Allez, As-10, c'est parti. As-7, c'est parfait. 8 et 9 sur un limp, bah non, hein. C'est parti. On va pas avoir le flop. Hein. Roi E7 contre 8 et 9, c'est tout bon. Bon, bah là, on y est 100 fois. Boum. C'était 3 à check. Valet 10, c'est parti. 6 et 8. Bon, 9 et 6. Un truc que je regarde tout le temps dans le tableau. Je sais jamais. C'est 5, de blinde. Donc on a le droit de fold. Après 8 off, on va fold. Je sais pas, on a combien de temps. On a 18 minutes. Allez, on en relance. C'est-à-dire qu'on en relance un à chaque fois qu'il y en a un qui est fini. Allez, on en tire encore 4, on va dire. Une blinde, ouais, on joue le 6, le 7, le 8, donc on est pas mal. Une blinde, allez, hein. Allez. D'accord, t'avais As-9 et t'as touché ton 9 river, pourquoi pas. Bon, là on chatte, c'est indécent. 6 et 4, de toute façon, vu son nombre de blindes, on y est tout le temps, go. 4 off, on va fold. 9 et 6 off, c'est 5, de blind, j'ai dit. Donc on y est. On tombe sur 10 et 2, on fait brelan de 6. Ça se passe plutôt pas mal aujourd'hui. Donc c'est cool. Là, il est capable de fold, je suis sûr. Ouh, on est devant. Allez. Donc j'ai dit que j'en relançais encore 3. Pays 10 et 9, ouais. Ah, j'aime pas. Mais bon. 7 et 10 contre 3 et 9. On a gagné. On a gagné. On va relancer un petit. J'ai l'impression qu'on run très très good là.
Ça a changé mes sessions en nitro où c'était la catastrophe. Sur un minerai, ils ont un call, allez. Pour faire top pair, c'est bien l'enfil brûlant pour pas stresser en détente. On va checker cet as, il va le bet tout le temps. Il a pas envie de le bet. Il a vraiment rien. Il a vraiment rien. Peut-être une hauteur qu'il a envie de montrer. Est-ce que je check pour le laisser bluff son as? L'embouche, hein. Ouais, ça c'était obligé. Allez, il avait bien un as qui l'a check. Qui l'a check raise. Pas très bien joué de ma part. Dame 10 contre 3 dames, c'est bon. As 3 contre dame 9, on va y être aussi. Suite off, c'est reparti. Allez, là c'est un fold. On va slow play, paire de dames. Le trap est parti. Bon, ben on va bet. Hein. Sur un limp, on va push. Il veut pas limp. Paire de valets, le piège est lancé. Il est pas chaud du clic lui. Bon, il pote. On va tout lui demander. Dame 5, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça pote des secondes paires là, en détente. Bon, à 5, tu peux open 15x, ce sera cool de toute façon. 5 et 8, ouais, ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Et il chatte, ok, bon. Bah écoutez, on n'aura pas trouvé le ticket. Je sais pas trop à quoi ça ressemblait. Ah oui, pas mal. Waouh, on a run comme des cochons. 66% d'ITM, c'est n'importe quoi. Je vous le dis, c'est full chance. Hein. J'en ai déjà fait des grosses grosses sessions en nitro au début de. Au début où j'en faisais. Pour voir si je. Si c'était possible à grind et je tournais autour de 36-37% sur à peu près 1000 parties. Donc. C'est vraiment pas, ça révèle vraiment pas le niveau quoi, 66%, c'est vraiment full chance, grosse réussite. Bah écoutez, je vous souhaite la même réussite au table. Je rappelle que le Discord est toujours ouvert. Bon là il est un peu en pause, hein, c'est le nouvel an, des choses comme ça. Mais vous êtes toujours les bienvenus. Sinon pour ceux qui commencent dans la vidéo, dans la description il y a toujours le lien pour la vidéo sur comment avoir sa bankroll à 100 € gratuitement. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à dire en commentaire votre avis. Et je suis toujours disponible sur le Discord pour vos questions. Allez, à la prochaine, salut!